Alors bonjour, aujourd'hui on est vraiment content, on a un nouveau projet qui vient d'aboutir. C'est donc une pompe de Lampropeltis Nelsoni. Donc c'est une forme T+ Purple. C'est assez récent quand même. Bon, ça fait déjà quelques années, mais on va dire que c'est pas une bête qui est super diffusée, et malheureusement, parce qu'elle est absolument magnifique. C'est une très très belle femelle. Et donc on est assez content. Et la ponte a l'air vraiment exceptionnelle en termes de quantité par rapport à la femelle. Alors, on va la sortir délicatement. Elle a vraiment, vraiment séché. Hein. Donc, c'est un petit Lampropeltis qu'on pourrait assimiler à la famille des Triangulum, même s'il est à part entière. Hein. Et là, bon, effectivement, la femelle, il n'y a même pas besoin de palper. On voit qu'il n'y a plus d'œufs, mais elle est vraiment très, très sèche. Donc, on va faire comme on a l'habitude. Leur proposer de l'eau en espérant qu'elle aille. Voilà, elle a été boire, mais elle est un peu en panique. On va essayer, voilà, tout doucement. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir lui retirer ses œufs. Il y en a une grappe énorme. D'habitude, ça fait 4-5 œufs. Là, il m'en a l'air d'en avoir beaucoup plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 œufs. Ce qui est quand même une ponte assez exceptionnelle en quantité, surtout par rapport à la taille de l'animal. Bon, la bête, je suis content, elle se réhydrate bien. On va lui retirer le pondoir maintenant, puisqu'elle n'en a plus besoin. Et là, tout va bien. Alors voilà, donc j'ai fait sa fiche. Hein, donc la femelle T+ albinos purple, 11 œufs, la date, le 26-5, c'est aujourd'hui. Et ça va être l'occasion pour nous de vous montrer maintenant un petit peu nos incubateurs, hein, l'endroit où tout est en train de se passer maintenant. Alors, vous êtes bienvenue un petit peu dans un de nos incubateurs, on en a plusieurs, on en a deux de cette taille-là. Actuellement, rien que dans celui-ci, on a environ 3500, 3600 œufs. Il faudrait qu'on refasse le décompte exact. Là, je vais poser donc mes œufs de Nelsoni. Nous avons une température moyenne de 28 degrés. Hein, on est à 28,8. Là, 40% en air ambiant. Mais en sachant que dans les boîtes, on est à peu près à 80%, 90% d'humidité. On a des ventilateurs qui sont là pour brasser l'air, pour qu'il y ait le minimum de différence entre le haut et le bas, pour être beaucoup plus homogène. Un système de bain d'huile qui nous permet de maintenir ce bloc, cette pièce complète à cette température, et le tout piloté par un thermostat Abistat Pulse qui est là pour réguler cette température. Alors voici un peu le système donc de thermostat. Donc on a un thermostat Abistat donc qui envoie une impulsion de température qui permet de garder une bonne homogénéité de température. On a simplement un système de bloc de sécurité pour augmenter la puissance du thermostat, puisque normalement ils vont à pas plus de 600 watts, hein, et on préfère garder une sécurité. Et cet ensemble, bon, fonctionne depuis le départ. Là ici, vous voyez, on a un autre incubateur un peu plus petit qui nous permet de temps en temps, sur des animaux plus spécifiques, d'avoir des températures différentes. Donc on a deux incubateurs comme ça. Ça nous permet d'incuber pour des pitons ou pour les mâles Angeco Léopard. Hein, et après, donc on a deux autres gros incubateurs. Pour le reste de notre production. Voilà, c'était la petite visite de nos incubateurs. Bientôt, on se retrouvera dedans, mais pour les éclosions. À bientôt!